Une des rares choses que j'ai appris dans les négociations internationales, c'est que pour avoir une chance d'emporter un résultat qui soit favorable aux thèses que vous défendez face à d'autres, il est très important de poser d'abord le texte sur lequel la négociation va se nouer. Si le projet vient de vous, alors les autres ne pourront faire que des amendements. Si le projet vient d'autres et que vous-même vous êtes en situation de devoir l'amender, alors vous ne pourrez gagner qu'à la marge quelques progrès, même naturellement, si vous êtes le plus fort et même si vous ne négociez qu'en second, vous aurez les moyens de l'emporter. Mais dans tous les cas, il est essentiel d'être celui qui pose le texte sur lequel on va négocier. Et ce n'est pas vrai seulement pour les grandes négociations internationales. Réfléchissez. C'est vrai pour un contrat de travail, pour la négociation d'un salaire, pour toute forme de contrat qu'on peut avoir à faire dans la vie, pour toute forme de négociation antagonique, diplomatique, économique, amical, je dirais même personnel et sentimental. Être celui qui devance pour comprendre ce que l'autre peut vouloir ou accepter est essentiel. Naturellement, il faut être en situation de ne pas demander trop, de ne pas voir le texte ou la demande rejetée, de ne pas demander pas assez, et ainsi de perdre la chance d'avoir plus qu'on aurait pu avoir si on avait posé le texte qu'il aurait fallu pour négocier à partir de cette base. Mais retenez ce principe, me semble-t-il, poser le texte de la négociation ou du contrat qu'on veut signer permet d'avoir les meilleures chances d'obtenir le meilleur résultat.